Je demande, tu es où? Il attend. Il sera là, je dis que oui, je comprends. Je n'ai pas dit que tu ne seras pas là, mais ta position actuelle là, net là, c'est où? Yata, c'est moi qui est donc grand, vraiment. Les anges sont en train de m'accompagner. Je serai là, l'heure. Je serai avant l'heure. Il dit que, ah non, c'est pas une histoire de l'heure avant l'heure. Donne-moi ta position. Tu es où? Quand tu m'as déjà 14 km, je suis dit, bon, le type-ci, tu vois que je n'ai même pas répondu. Je suis resté dans votre tranquille. Pas 14 km, c'est plutôt kilomètre 14. Attends, il y a 14, hein? C'est le niveau 14 là. Oui. J'ai dit que ça c'est terrible. Je suis resté d'abord tranquille. Après, j'ai répondu que okay, ça va. Et je vais donner les ordres là-bas que les gens commencent pour quand. Bien aimé, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je suis avec le prophète La Montagne. On entre préparer le grand culte de demain. Désolé, je n'ai pas pu être là vendredi au Fai Banjoun parce que j'avais une urgence hors du Cameroun. Et donc j'ai dû partir rapidement pour revenir. Dont l'avion atterrit pas longtemps. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc, bien-aimés, on a culte ce dimanche. Dimanche à partir de 8h au palais des congrès, ici à Yaoundé. Je voulais t'exhorter à être présent parce qu'on va passer un moment très fort. J'avais le prophète La Montagne. On tente de causer un peu sur l'épopée d'hier. C'est terrible. Qui est là? Fabrice? Pardon, viens filmer. Que je mange et que mon âme te bénisse. Tu fais quoi? Viens nous filmer, pardon. Voilà. Bon appétit pour faire la montagne. Hier, c'était trop fort. Déjà, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il a fait ce que lui seul sait mieux faire. Donc, rends grâce à Dieu. Et puis, je suis mort de rien quand tu vois ta fille là. Oui. Le gens demandent de manger, de déranger. J'ai répondu ça dans la déjà enregistré maintenant. Il a écouté pendant le vol. Voilà aussi, j'ai pas plus tôt. C'est quand je suis descendu là que j'ai suivi le but du fond d'un coup. Dans une dimension terrible. Et. Comme ça, tu sais que le monde humain, et nous glorifions le nom du Seigneur. C'est vrai. Je pense que l'église est fière de toi. Hier, c'est terrible. Quand tu as parlé de l'ombre, là, quand tu fais la nuit, la main de qui veut te complaire. Ah, il est pris.
Donnons soin des eaux du baptême. On est baptisé de l'unique éthiopien. Une autorité de ce pays qui a compris la valeur du baptême. Il m'a appelé. Prophète, pour me baptiser, celui qui me dit, prends-moi comme l'unique éthiopien. C'est un grand cadre de l'armée camerounaise. Et j'ai fait baptiser. Quand le 15 minutes, oui. Depuis 2019, dans la salle d'attente, le docteur arrive. C'est une femme mise comme ça. Oui, bonjour. On a suscité la voix de tous. Il y a déjà ma fille qui m'accompagnait. Ça, là, c'est la guerre. La femme, c'est. Je suis mal parti. S'il y avait moyen de fuir, on devrait faire le même. Elle dit non, papa, il faut supporter, ça va aller. Parfois, quelqu'un peut avoir la parole de la violence, mais le ton, le caractère. J'ai dit ok. Mégaton arrive. En Europe, quand tu arrives, on prend d'abord soin de toi. On te présente la facture à la fin. Mais la dame, c'est plus que les banalités. C'est mon argent d'abord. On a fait l'argent d'abord. On a mis l'argent. J'ai dit ok, d'accord. Maintenant. Elle met la nécessité, elle n'a pas attendu une seconde, paf, elle pique. Je sens mal, c'est comme si elle avait une veine comme ça qui sort, vous avez au cœur directement. C'est du coup, il y a une communion entre les dents et le cœur, mon frère. Quand la dent fait mal, ton cœur fait mal. Je dis, madame, j'ai mal. Elle me supportait, elle a juste la nécessité. Même si toute la nécessité, si. Donc, en anesthésiant la dent, elle a anesthésié ma gorge, mon frère. J'ai essayé de boire l'eau, tu sors, c'est pas mon âme. Mais ma gorge était anesthésiée. Il va aller sa vie, mon Dieu. Et puis j'ai dit, madame, j'ai mal. Il a nécessité qu'on m'attend quand même si il y a 15 minutes. Elle met, elle ne parle pas, elle dit, quand j'ai attrapé la main de la femme là, elle a compris que j'ai un prophète majeur. Elle a attrapé sa main comme ça. Et mes yeux, comme mes yeux fermés, j'ai ouvert les yeux, je l'ai regardé. Il dit, ouvre la porte. Elle dit, pourquoi dire, ouvrez la porte. Je ne vous raconte pas, je veux sortir. Je voulais aller toi, j'ai dit non, je veux rentrer. Elle me laisse aller, je ne veux plus. Je veux vous remercier. Je voulais me tuer. C'est quelle histoire qu'il n'y a aucune communion entre le docteur et le patient. Mon frère, c'était compliqué. Donc, je suis sorti à la salle, je commence par là. J'ai baissé l'argent. 700 euros. Reste avec. Je dis que Dieu soit un juge. Il m'a cassé la dent en fait. L'urgence, il fallait absolument que j'y aille. Je retourne chez mon dentiste. Il m'a cassé la dent une fois là-bas, le pays que tu connais là. Donc, comme le médecin là, le docteur, le dentiste devrait venir de l'étranger là-bas et retourner dans son pays. Et il devait rentrer la dernière chance, il devait rester jeudi. Donc, il fallait prendre l'avion maintenant. Je suis arrivé là-bas, il m'a fait le travail. La dame m'en est à 10 minutes, 15 minutes, il avait une main de temps sur ma bouche. C'était compliqué. Ils sont la dame, le docteur de France a cassé vos dents, votre dent. Enfin, c'était compliqué. Mais c'était quand même, c'est un professionnel, il maîtrise son travail. Donc quand il faut comme ça, il fait, ça prend le temps. La première fois, ça va être 5 minutes dans l'année. Les dents de sagesse sont plus dures en fait. Quand j'ai compris que la dame, asseyant on arrête de moi, j'ai commencé à prier contre ma dame, mon frère. Tu as la vie, il veut prendre la dame. J'ai dit, dame, qui que tu sois, qui es-tu pour résister?
Qui que tu sois, tu seras aplani. Il a dit, au nom de Jésus, tu vas sortir aujourd'hui, you will die, you will fall today. C'était pas facile. Regarde, en arrivant là, c'était un grand soulagement. Je vais rendre grâce à Dieu pour ça. Donc, chers amis, par la grâce du Seigneur, nous serons au palais des congrès. Désolé encore pour mon absence, vendredi. Je suis au Cameroun et je suis chargé à bloc. C'est un déplacement qui était important pour moi. Je ne peux pas contourner. C'était important, en tous les cas. Et je pense que j'ai fait le bon choix. Le bon choix, l'occasion s'est présentée là, de façon abrupte. Et on a fait le bon choix. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Donc, je te donne rendez-vous dimanche, palais des congrès, 8h. C'est dans moins de 24 heures. Viens avec ta famille, avec tout le monde. Le Saint-Esprit va nous amener très loin. Il y a une nouvelle manière. C'est une méthode expérimentale. On va expérimenter ça sur ceux qui seront là. Donc, ne reste pas à la maison. C'est vrai que tu as dit aux gens par rapport à la journée de demain qui sera dangereuse. Shalom, soyez bénis. Nous continuons la destruction des œuvres de la sorcellerie. Aucun démon n'échappera. On l'a dit, celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Aucun démon. Tout ce qui a tourmenté, troublé ton destin, sera jugé, écrasé, anéanti. Au nom de Jésus, bienvenue au culte familial, au palais des congrès de Yaoundé. Demain, quand il sera 8h, quelque chose est sur le point de se passer. Amen. Jimmy m'a dit que je suis invité les gens pour le culte de demain. Allons-y. Je vous invite pour... Tu regardes la caméra, chérie. Et je vous invite pour le culte de demain. Mmh. Ce sera le dernier jour de mai. C'est pas simple, je te dis. C'est pas le dernier dimanche de mai. C'est le dernier, ah oui, le dernier dimanche de mai plutôt. Quoi? Le dernier dimanche de mai. Et ce sera où? Au foyer Bonjour. Au palais des congrès. Au palais des congrès. À partir de quelle heure? 8 heures. De 18 heures. De 8 heures. D'accord. Donc, venons très nombreux ce dimanche et que la main de Dieu soit sur vous. Partout, je vais, on te demande. Hein. En France, on te demande partout. Dans l'avion, tout le monde te demande. Tous ceux qui me voyaient, oh, prophète, moi, j'ai mis ma. On veut voir Jimmy. Tu t'imagines? Et c'est quand on aime la voix chanter et tout, et si tu vas chanter demain? Oui. D'accord. Promets aux gens que tu vas chanter demain. Mais c'est pas pour du chant. Oui, mais on va apprendre, tu vas faire le choix et tu vas répéter rapidement. Puis demain, tu chantes. Papa, s'il te plaît. Je peux oublier, papa. Ah non, mais on va réviser plusieurs fois. Tu vas répéter encore et encore et encore. Tu sais que tu es très intelligent si on sait le chant, non? Je peux chanter ce que tu chantes, maman. Oui, on va d'abord chanter ce que tu chantes, mais après, il faut que tu chantes. D'accord. Tout simplement. Tu vois? Je vais chanter ma chanson que j'ai créée. Ta chanson que tu as créée. Tu n'as pas quoi la chanson que tu peux chanter. J'ai créé une autre chanson. Vas-y, chante un peu. Fais un peu la capella. Papa, je ne veux pas réviser maintenant. Tu veux pas réviser maintenant? Mm-hmm. D'accord, sans problème. Ok, merci. Alors, bien-aimé, Dieu ne m'en est pas inspiré aujourd'hui. Je pense prochainement. Elle sera plus inspirée. Oui, mais je vais chanter la chanson que j'ai créée. D'accord. Elle va chanter la chanson qu'elle a créée. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce dimanche, dernier dimanche de mai, mon mois de naissance. On a commencé ce mois en Europe, on va finir à Yaoundé. Dieu te bénisse. La semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, nous sommes à Douala. La semaine d'après, nous sommes à Bertois. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que shalom, shalom, shalom. Shalom et je vous aime. Voilà.